bin Franziska Brandner, auf Platz 11 der deutschen Liste, 29 Jahre alt. Und Politik angefangen habe ich, wo ich herkomme, in Freiburg. Und zwar mit 14 haben wir angefangen, in Freiburg ein autonomes Jugendkulturzentrum zu fordern. Und dafür haben wir gekämpft. Und außerdem gleichzeitig waren damals die Atomtestversuche von Chirac. Und dagegen haben wir protestiert. Und darüber bin ich dann zur Grünen Jugend gekommen. What I want to do in the European Parliament, if I'm elected, there are two things that I would like to do first. One is to fight for a really strong anti-discrimination directive, which is currently negotiated, and one that really encompasses all signs of and all forms of discriminations for all spheres of life, be it at the workplace, where there's already protection now, but also in the private sphere, where there's still a lack of protection against discrimination, and that has to be changed. And I really, that's an important thing to me. And the second one is the equal pay between women and men, and there needs to be new measures, there needs to be legal measures, and I would like to fight for that. Et pourquoi je pense qu'il faut aller absolument voter pour les élections européennes, c'est que le Parlement européen prend beaucoup de décisions qui vous touchent partout. Je veux dire, pas votre body, hein, mais je veux dire qu'il n'y a presque pas d'aspect de votre vie, de ta vie, qui n'est pas aussi affecté par ce que fait l'Union européenne. Et du coup, à mon avis, ça vaut la peine de voter, et surtout, ça vaut la peine parce que ça fait une différence qui est en majorité au Parlement européen. En ce moment, on a une majorité conservatrice. Il y a aussi une grande coalition entre la droite et le Parti socialiste, et on l'a vu par exemple récemment, il y avait des votes sur les émissions des industries, et c'était clair qu'encore au dernier moment, c'est le Parti conservateur qui a introduit des exclusions pour les industries chimiques, de chimie, mais aussi d'électricité, qui sont les plus grands polluants, et le Parti socialiste a voté avec. Et d'autres exemples encore très récemment sur les investissements là dans l'industrie d'automobile. Les Verts voulaient absolument que ce soit lié à une promesse au moins de l'industrie de l'automobile de faire progresser dans une direction plus où il y a beaucoup moins d'émissions par voiture. Et non, ça n'a pas passé. Le parti encore conservateur avec les socialistes a bien bloqué tout ça. Et nous, on pense que c'est aujourd'hui le moment de la crise où il faut changer, où il faut repenser le mode de production. Et les majorités au Parlement européen vont faire une différence. Ça fait une grande différence. Ça vaut la peine de voter. Ça vous touche. Et à mon avis, c'est un droit que nous avons et un droit qu'il faut prendre au sérieux. Merci.